Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'une revue concernant ces deux punchboards. Il s'agit des punchboards alphabet. À gauche, il y a la grosse et à droite, il y a la mini punchboard alphabet. D'abord, je vais vous expliquer le côté théorique, c'est-à-dire comment elle fonctionne, etc. Et ensuite, on passera à la pratique. Donc, déjà, sur les deux punchboards, vous y trouvez le cahier qui correspond pour l'une d'entre elles. Donc là, c'est le fascicule de la grosse et là, c'est le fascicule de la mini. Et dedans, en fait, vous y retrouvez tout le procédé pour toutes les lettres. Comment faire, etc. Et là, c'est pareil pour la mini. Voilà, hop. Et sur la première page des deux fascicules, vous y retrouvez en fait la taille de départ du papier. Par exemple, pour la grosse, il vous faudra un papier qui mesure 7,6 par 12,7. Et pour la petite, il vous faudra un papier de 3,8 par 6,4. Donc ça, c'est la taille de vos papiers de départ. Ensuite, concernant le fonctionnement de la machine, donc pour la grosse et la petite, vous allez retrouver ceci. Voilà, en fait, c'est la zone où vous allez justement mettre votre papier. Et c'est là où vous allez venir justement faire les découpes. Voilà. Ensuite, en dessous, on y retrouve... Donc là, je vais la soulever, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Là, il y a deux lignes, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est des lignes de repère. Et vous l'avez aussi sur la petite. Voilà, vous voyez, une et deux. En fait, voilà, ça va permettre justement de positionner votre papier. Donc, soit il faudra le positionner sur la ligne 1, soit sur la ligne 2, ou alors comme ceci. Vous pouvez le mettre aussi comme ça, ou comme ça. Voilà, ou comme ça. Tout dépendra de la lettre que vous allez réaliser. Donc, voilà. Ensuite... ici, vous avez la petite lame pour la quand vous allez couper ici. Et vous avez la même chose sur la grosse. Voilà, la fameuse lame. Donc, ces lames-ci, on les retrouve dans toutes les punchboards. Ensuite, là et là, vous voyez, c'est ce qui va permettre, en fait, de faire, vous savez, ce fameux rond-là. Vous voyez, voilà. Capable de faire ça. Donc ça et ça, c'est de là, là. Vous voyez, ici et ici. Là, il y a mon doigt juste en bas. Ça va permettre de faire ça. Ensuite, sur la droite, donc c'est-à-dire là et là. Voilà, pour la mini. En fait, là, c'est la zone où vous allez venir arrondir. Vous allez venir arrondir, en fait, la lettre. Il y a des lettres où vous avez besoin d'arrondir et d'autres non. Par exemple, vous voyez, le R, vous aurez besoin d'arrondir juste l'angle de ce côté-là. Vous voyez, par exemple, le O ou le 0, il faudra arrondir les quatre côtés. Et il y a d'autres lettres où vous n'aurez pas besoin... Comme par exemple la lettre F, vous voyez, vous n'aurez pas besoin d'arrondir. Voilà, donc là c'est la zone en fait où vous allez venir arrondir vos angles. Ensuite, une fois que vous avez fait la lettre, en haut vous avez un côté un peu plus design et vous allez pouvoir venir en fait faire ce genre de petites choses, vous voyez, comme on vous montre juste derrière. Pour faire un effet un peu plus sympa, un peu plus décoratif. Moi, j'aime beaucoup cette police. Je la trouve très, très belle. Donc, voilà. Et vous avez la même chose pour la mini.
Vous voyez, vous pouvez faire aussi des lettres décoratives. Donc, maintenant, on va passer au côté pratique. Je vais d'abord vous montrer la grosse. Et ensuite, on passera avec la mini. Parce que du fait qu'elle est grosse, vous verrez peut-être mieux la façon de travailler. La mini, je vous la montrerai pour que vous ayez... un peu, enfin pour voir comment on procède, etc. Mais c'est la même chose. C'est juste que c'est la grosseur des lettres qui change. Mais sinon, le processus restera le même. Donc, moi, je vais prendre un papier blanc. Et on va commencer par faire une lettre toute simple. Et on va faire la lettre A. Voilà, on va commencer par la lettre A, une lettre très très simple. Et après, je vous ferai, en fait... ensuite, je vous ferai une lettre un peu plus compliquée, un peu plus travaillée. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Vous voyez, sur chaque lettre, il y a le processus. Donc là, en tout premier, on me demande de mettre mon papier. Vous voyez, ici, voilà, comme ça, hop. Donc, comme sur l'image. Et en fait, sur la première étape, il va falloir venir puncher pour venir y mettre, vous savez, le fameux arrondi que je vous ai montré juste avant. Donc là, je viens puncher. Voilà. Donc vous voyez, il y a le fameux trou. Ensuite, pour la deuxième étape, vous voyez, donc là, mon papier, il est comme ça. Et il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Mais avant ça, vous voyez, il y a une petite flèche juste ici. Et en fait, il va falloir... tournez votre papier pour que l'arrondi soit du côté gauche et pour pouvoir venir faire l'arrondi du côté droit. Donc, je le repositionne de la même manière que la première étape et je viens puncher. Voilà. Donc là, vous y retrouvez, vous voyez, les deux fameux ronds. Voilà. Ensuite, on va venir... mettre le papier dans la zone de découpe qui est juste au-dessus. Voilà, donc là, j'enlève un petit résidu. Et je viens bien positionner mon papier. C'est très, très important. D'ailleurs, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. C'est par rapport à la ligne des demi-inch ou inch. Mais ça, je vous montrerai ça un peu plus détaillé juste après pour la prochaine lettre. Donc là, je positionne bien mon papier dans la zone de découpe, vous voyez, et je viens prendre ma lame. Donc là, dans la troisième étape, en fait, on me demande de venir découper ici. Vous voyez, là, il y a les lignes rouges, c'est là où je vais devoir venir découper. Donc, je prends ma lame. Et je vais venir découper ici. Alors, je positionne bien. Hop. Et hop. Donc là, j'ai découpé. Voilà. Je remets ma lame dans son socle. Et voilà. Donc déjà, vous voyez, j'ai découpé. Et ça donne ceci. Maintenant, je baisse la zone de découpe. Et je vais venir en dessous... arrondir ben justement la lettre. Donc là, je vais venir puncher. Donc hop. Ensuite, hop. Voilà. Donc voici la lettre. Donc soit... donc là, ma lettre, elle est finie. Hein. Voilà, clairement, elle est finie. Et là, vous avez deux options. Soit vous la laissez comme ça. Donc ça peut être très sympa. Ou soit vous vous dites, bah, tiens, je vais faire un style un peu plus sympathique. Et là, dans ces cas-là, vous vous mettez dans la zone que je vous ai montrée tout à l'heure, dans la zone décorative, vous positionnez bien et vous allez venir faire, vous savez, le côté un peu plus design. Donc j'en fais qu'un, comme ça vous voyez les deux. Donc voilà, donc soit vous avez le côté un peu plus design, vous voyez, hop, ou soit le côté tout simple. Ça, après, c'est libre choix. Moi, j'aime beaucoup comme ça, je trouve que ça fait très très original. Ça change les lettres classiques. Mais des fois, c'est vrai que le classique, ça peut être sympa suivant ce qu'on fait. Mais en tout cas, vous avez deux choix possibles. Et ça, c'est très, très chouette. Maintenant, je vais vous montrer
comment on fait une autre lettre pour que vous avez, enfin pour que vous puissiez avoir deux façons de faire, parce qu'il y a des étapes qui sont un peu plus compliquées quand on ne connaît pas. Et des fois, voilà. Donc là, en fait, on va venir faire la lettre S. Et le S, il est un peu particulier parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, dans les étapes où c'est en noir comme ça, c'est la zone du papier. Par exemple, si je veux que mon papier, si je veux que ma lettre soit avec ce papier motif là devant, vous voyez, ça serait, il faudra joindre mon papier comme ça. Si je veux que mon papier soit avec l'autre motif, il faut que je le retourne. En fait, quand c'est comme ça, c'est le papier motif où je veux qu'il soit. Et ça, c'est à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous montrer en pratique. Vous allez beaucoup mieux comprendre. Donc là, pour le S, moi, je veux garder ce côté-là pour que je veux que ma lettre S soit avec ce motif-là et pas celui de derrière. Donc, en fait, je viens pour cette première étape retourner mon papier et je viens le positionner sur la ligne de repère numéro 2. Et là, je vais venir puncher. Voilà. Ensuite, je garde toujours mon papier à l'envers, comme ça, vous voyez. Et je viens retourner mon papier comme ceci. Et je viens le mettre pareil, toujours au même endroit, à la ligne de repère numéro 2. Et je viens puncher. Vous voyez? Voilà. Donc, ça fait ceci. Ensuite, une fois que c'est comme ça, je vais sur la zone de découpe et je garde et je mets mon papier. Du coup, je le retourne, vous voyez? Et je viens le positionner comme ceci, dans ma zone de découpe qui est juste là. Et je viens poser. Ensuite, je prends ma lame et là, je vais venir découper en bas. Donc déjà, pour commencer, je fais tac et tac. Voilà. Ensuite, je l'enlève. Donc là, c'est découpé, vous voyez. Et je viens du coup retourner mon papier et je viens le poser. Et là, je viens couper, pareil comme l'autre, la ligne du milieu et la ligne du bas. Et ça fait ceci. Voilà. Et là, on va ensuite passer avec la fameuse ligne que je vous parlais tout à l'heure, avec le demi-inch. Et là, en fait, je viens positionner ma lettre au niveau de la ligne là, qui est juste là, du demi-inch. Et je vais venir poser ma zone comme ça et je vais venir en fait couper là et là, donc hop, oups, j'ai coupé un peu en dessous, non, vite, bon, c'est pas très grave, voilà. Et voilà, donc voici la lettre. Bon, là, sans faire esprit, j'ai coupé parce que je suis allée très vite et puis en vidéo c'est pas facile, donc m'en voulez pas, mais c'était juste pour vous montrer en fait le processus. Et là, ensuite, je vais venir arrondir, en fait, ici, ici, ici et ici. D'ailleurs, je crois qu'en coupant, ça va enlever justement la zone que j'ai un peu foirée en coupant. Donc, hop. Ensuite, je soulève comme ça. Donc, hop. Je viens puncher. Tac. Ensuite, tac. Ouais, vous voyez, ça a un petit peu enlevé. Et tac. Donc, voici pour la lettre. Et après, s'il y a des petits trucs qui dépassent, il faut juste venir recouper. C'est pas méchant. Vous voyez, hop. Et voici votre lettre. Et vous voyez, c'est exactement avec le motif que je voulais garder de mon papier motif devant. Et là, vous avez la lettre S. Donc, le petit détail aussi que je voulais vous dire, c'est que ces lettres mesurent en fait 12 et demi. Voilà, au total, la lettre mesure 12 et demi sur, allez, à peu près 6 cm. Voilà, 12 sur 6 cm, c'est quand même des grosses lettres, vous voyez. Et après, pareil, si vous voulez, vous pouvez venir puncher là comme ça
pour venir mettre, vous voyez, la petite décoration un peu sympathique. Donc voilà, donc là vous avez vu deux grosses lettres. Maintenant on va passer avec la mini, et là pour la mini, la chose est pareille. C'est le même procédé, sauf que là, pour le coup, elle est mini. Donc voilà, donc je vais prendre un autre papier. L'autre il s'est échappé, donc je mets là. Du coup, je enlève mon carnet du gros et je prends le mini, car du coup les tailles ne sont pas les mêmes. Et là, on va faire la lettre A, voilà, qu'on a déjà fait ensemble. Non, quoique, on va faire la lettre B. Comme ça, vous voyez différentes lettres. Ça peut être sympatoche. Donc là, pour la lettre B, je garde mon papier du côté rose, car c'est ce papier-là où la lettre va être. Donc, je positionne mon papier sur la ligne de repère numéro 2, comme ceci. Et je viens puncher. Voilà, tac. Ensuite, je retourne mon papier comme ceci et on retrouve le fameux espèce de rond là, demi-rond en bas. Et je remets sur la ligne de repère numéro 2 pour venir faire justement l'autre arrondi. Donc vous avez ça, vous voyez? Hop. Ensuite, je mets mon papier comme ça et je viens le mettre dans la zone qui est juste ici. Donc je vous montre de plus près, vous voyez. Hop. Et là, je vais venir puncher avec le fameux, vous savez, ça là, comme ça. Le côté décoratif. Hop. Donc là, vous avez ceci. Voilà. Et ensuite, pour terminer, je viens arrondir. Les côtés, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Donc, hop. Et hop. Et voilà ma fameuse lettre B. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout simple, c'est pas très compliqué. Et du coup, cette lettre, elle mesure 6,3 sur 3,8. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même taille de lettre. Donc je vous mets côte à côte pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. D'ailleurs, je vais enlever ça. Vous allez mieux voir avec... Regardez. Hop, je décale tout ça vite fait. Et je vous le positionne sur mon tapis de découpe. Hop, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Donc voilà ce que c'est niveau taille. Donc je trouve qu'il y a quand même une grosse différence. Je dirais que c'est la moitié d'une grosse lettre. Les petites lettres comme ça. Je trouve que c'est très pratique. Et franchement, je trouve que c'est vachement pratique si vous voulez faire des grosses lettres. Ou même pour mettre sur des pages. Ça c'est bien pour faire des fanions, je dirais. Et ça c'est mieux pour... Ça, vous pouvez l'utiliser pour des pages d'albums 30-30, pour des pages 30-30, ou tout simplement pour des devants d'albums, ça peut être sympa. Quand vous avez des petits mots à mettre et tout, ça peut être vachement original. Voilà, j'ai terminé les explications de ces deux punchboards alphabet. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé cette vidéo et que mes explications ont été claires. Si ce n'est pas le cas et que vous avez certains doutes sur certaines étapes, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire ou sinon me voir directement en message privé sur Instagram, IvaPassion, et je vous répondrai avec grand plaisir, c'est avec grand joie que je viendrai à votre rescousse si vous avez du mal ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!